Il faut penser que tout changement de comportement doit faire rechercher une cause. Ça, c'est le principal message que je voulais vous faire passer. Alors, l'effet de l'âge. Vous savez qu'à partir, on perd 1% de notre fonctionnalité par année d'âge. Chaque année, on perd 1% de notre fonctionnalité. Et donc, ceci va impacter... va nous impacter sur le plan pharmacologique. On sait que la personne âgée, avec l'âge, va perdre la masse musculaire, la masse maigre. On va perdre du muscle, mais on va gagner de la graisse. On va perdre du muscle et on va perdre le total. Très souvent, les sujets âgés sont déshydratés. Donc, on va avoir une augmentation de la concentration des médicaments hydrosolubles, comme par exemple les morphiniques. Vous devez avoir cette arrière-pensée. Si vous donnez des morphiniques, il y a un risque de surdosage chez la personne âgée, du fait justement de cette perte d'eau. On va avoir une augmentation de la masse grasse. Donc, les concentrations plasmatiques des médicaments lipophiles vont être modifiées. Donc, faire attention quand on donne des benzodiazépines à une personne âgée, suffisamment traitée. Par rapport à l'intensité de la douleur qui présente, vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont révélé que l'évaluation de la douleur chez la personne âgée, quand elle est faite par une tierce personne, par le personnel soignant, on a toujours tendance à minimiser la douleur. On pense toujours qu'il n'a pas aussi mal que la réalité. Alors, il y a des préjugés qui sont probablement la cause principale d'une analgésie insuffisante. D'abord, les personnes âgées, la première, c'est que les personnes âgées elles-mêmes négligent leur douleur, car elles la considèrent comme faisant partie de l'âge, ce qui est complètement faux. La deuxième est car ils identifient mal les plaintes douloureuses en raison, pour la plupart des cas, d'une formation souvent qui est insuffisante. On sait aujourd'hui que la douleur chez les personnes âgées doit être traitée, car elle assure une meilleure qualité de vie, on peut augmenter une fonctionnalité des patients et on prévient l'apparition de plusieurs pathologies. On l'a vu dans les premières diapos, comme par exemple l'immobilité qui va entraîner toutes les complications du décubitus, à savoir une thrombose veineuse, insuffisance respiratoire, une anémie. Les thérapies de la douleur doivent prendre en charge les changements physiologiques qui se développent avec l'âge. On va toujours tenir compte du profil bénéfice-risque qui doit être supérieur, le bénéfice des traitements que vous instituez doit toujours être supérieur au risque que ce médicament entraîne. Enfin, il n'y a pas d'interférence, il faut qu'il n'y ait pas d'interférence entre les autres traitements médicaux, comme traitements en cours. La plupart de nos malades sont hypertendus, insuffisants rénaux, diabétiques, ils sont toujours en polyvitamine. Voilà, pour répondre à la première question, la douleur chez la personne âgée n'est pas une fatalité. Et je vous remercie pour votre attention. Stimuler ce nocicepteur. Mais sachez que la douleur est difficile à traiter parce que même si les INS sont efficaces sur les prostaglandines, il y a beaucoup de substances, beaucoup trop de substances qui sont libérées lors de cette stimulation, cette sensibilisation des nocicepteurs. Alors, que va-t-on donner? Les antisubstances P, l'antihistamine, l'antiprostaglandine, l'antisérotonine, l'anti-H+K+, c'est pourquoi on n'a jamais zéro douleur, mais on arrive à la soulager grâce à des traitements et surtout à la multimodalité en utilisant de nombreux traitements. Ces fibres A, delta, C, vous voyez cette image d'affaire très simple et très jolie, qui montre les fibres A, delta et C, et la fibre A, alpha, qui est la fibre du tact. Alors elle chemine au niveau de la corne postérieure pour aller vers la moelle. Ces récepteurs donc jouent le rôle de transformateur d'une énergie physique
en signal électrique qui va aller vers donc les structures supérieures. Il faut savoir une chose, c'est que la fibre du tact qui est très grosse chemine très rapidement l'influx alors que les autres sont plus lentes puisqu'elles sont moins grosses et moins myélinisées. Sachez que la convergence des fibres au niveau de la moelle montre que la douleur peut être soulagée grâce au frottement. Alors vous savez, quand vous cognez, vous vous frottez et ça soulage. Pourquoi? Parce que justement, il y a un croisement des fibres du tact avec les fibres de la douleur au niveau de la moelle. Donc en frottant, je vais fermer la porte et empêcher cette douleur d'aller vers les structures supérieures. Donc c'est comme ça que le gate control a été découvert et qu'on a inventé l'acupuncture, le massage et d'autres techniques hein, pour soulager la douleur. Oui, cette image montre les couches de Rixed pour montrer la convergence des fibres au niveau de la couche 5, en sachant que les fibres de la douleur se trouvent également au niveau de la couche 1 et de la couche 2 de Rixed. Bien entendu, c'est le système ou la voie extraléministale que vous voyez antérieure dans la douleur qui confère à la douleur son caractère désagréable. Il faut savoir également qu'il y a la glie hein, et les astrocytes qui interviennent également dans le domaine de la douleur. Pour le traitement de l'information, c'est un véritable système de transport des molécules à travers ce tissu de soutien des cellules nerveuses qui va donc transmettre. Vraiment, on va avoir des nouvelles certainement ces prochaines années, car il y a une très grande recherche dans ce domaine. Bien sûr, le contrôle de la douleur est très important, tel que le gate control, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me frotte parce que j'ai mal et la douleur s'arrête, et bien c'est l'interneurone, la cellule T, qui va bloquer et empêcher la transmission de cet influx. Bien entendu, il y a d'autres modulations supramédulaires, telles que les enképhalines et les endorphines, grâce à la substance grise thériacubicale. Donc c'est des produits chimiques qui vont être libérés, qui vont descendre en bas, au niveau de la moelle, qui vont aller vers les récepteurs mu de la moelle et bloquer la transmission douloureuse. Modulation électrophysiologique, modulation chimique, bien entendu, ça va permettre de supporter cette douleur. Bien entendu, d'autres voies inhibitrices descendantes, telles que la sérotonine et la noradrénaline. Alors chez le sujet âgé, vous devez savoir que par rapport à ce système, les grosses fibres à alpha se démyélinisent à cause de la dégénérescence. Hein. Donc il y a également cette libération, cette production de myéline par la glie qui va être diminuée. Et puis il va y avoir également des substances qui vont être moins produites au niveau des centres supérieurs pour moduler cette douleur. Douleur nociceptive, douleur neuropathique, douleur psychogène, douleur mixte. Donc autrefois on traitait la douleur un peu n'importe comment. La douleur est là, je la traite et c'est tout. Maintenant non, il faut savoir, est-ce que nous sommes en face d'une douleur nociceptive? Est-ce que c'est une douleur neuropathique? Est-ce que c'est une douleur psychogène? Est-ce qu'elle est mixte? Pourquoi? Parce que chaque type de douleur a son traitement spécifique. Donc, à maîtriser, donc notamment de connaître bien la physiopathologie, sinon on ne peut pas traiter, on ne peut pas trouver le meilleur moyen de traitement de la douleur. Donc connaître la physiopathologie, c'est la base thérapeutique. Restons toujours avec le sujet âgé, apparemment c'est le sujet âgé qui domine ce matin. Après la reconnaissance de la douleur, la clinique, le diagnostic, la physiopathologie, les mécanismes de la douleur, c'est le sujet âgé. On va évaluer la douleur du sujet âgé. Est-ce qu'il y a moyen de mesurer de la douleur chez le sujet âgé? Avec quoi et comment mesurer la douleur chez un sujet âgé? Ce que va présenter Madame Belmossa, Centre antidouleur, CBMC âgé, la communication intitulée Évaluation de la douleur du sujet âgé. Est-ce que le sujet âgé... Donc ils ne veulent pas rajouter des médicaments supplémentaires. Et quand il y a des troubles cognitifs, plus ces troubles cognitifs vont être importants, plus il va y avoir une insuffisance de prise en charge de la douleur. Et ceci a été démontré dans un travail qui a été publié, qui a concerné 352 patients donc, qui vivaient dans des EHPAD, et ils se sont intéressés à deux types de patients. Il y avait deux groupes, un groupe qui avait des troubles cognitifs sévères et un groupe qui n'avait pas de troubles cognitifs. Et ils ont essayé de comparer quels étaient les médicaments, est-ce que les deux groupes étaient pris en charge de la même façon. Ils ont constaté
constaté que finalement, en tout cas pour les antalgiques, le groupe qui avait des troubles cognitifs recevait moins d'antalgiques que le groupe qui n'avait pas de troubles cognitifs. Et donc, on voit bien qu'il y a une sous-évaluation de la douleur et un sous-traitement dans ce groupe avec des troubles cognitifs. Les étiologies de la douleur chez la personne âgée vous ont été rapportées tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces douleurs sont souvent multiples et qu'il ne faut pas négliger, Madame Fleck vous l'a dit, il ne faut pas négliger les douleurs qui sont liées aux soins parce que ce sont des douleurs qui sont prévisibles et que l'on peut prévenir. L'évaluation de la douleur donc, chez la personne âgée nécessite donc qu'il y ait une communication, qu'il y ait une observation, qu'il y ait un dépistage. Et pour ceci, il faut vraiment être proche du malade. Et parfois, il faut surveiller le comportement du malade. On va voir pourquoi. Déjà, l'analyse de la douleur chez la personne âgée est souvent difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un interrogatoire qui est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il y a des troubles de la mémoire, parce qu'il y a des troubles sensoriels, le malade n'entend pas, il a des troubles du langage, il a des troubles cognitifs qui vont rendre cet examen difficile. Parfois, au contraire, le malade va trop se plaindre, en particulier les hypochondriaques, ou alors il y a des personnes pour qui la douleur est un moyen de communiquer avec autrui. Donc, il va tout le temps se plaindre. Moi, je souhaiterais réaliser cette journée et demander à l'équipe de la SAEPD de revenir encore sur Batina au mois d'octobre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous pourrions faire un travail avec la société de gériatrie qui va être présente ici à Batina et parler à ce moment-là de la douleur encore et reprendre un peu ce sujet qui est très important puisque le sujet âgé, vraiment, on l'a délaissé et on l'a très mal pris en charge. Donc la prise en charge médicamenteuse, je vais être très brève. Vous dire que les définitions sont connues, que l'enjeu de santé publique, c'est la qualité des soins, qu'il y a ces sujets âgés qu'on a déterminés grâce à l'OMS, par les seniors et les grands seniors, qui sont de plus en plus importants dans le monde, et ça commence également en Algérie, et que leur qualité de vie est altérée parce qu'on les comprend mal. Il faut absolument lutter contre la douleur pour ces sujets. Ces sujets sont à domicile. Ils sont donc en nombre important, et ils ne sont pas détectés et la personne âgée ne se plaint pas. Vous avez vu mon grand-père, il va dans sa chambre, il s'enferme et il ne veut pas m'embêter. Ils ne veulent pas se plaindre, ils veulent nous éviter l'ennui d'être ennuyés et donc on les évalue mal. Mais aussi, il y a une mauvaise formation du personnel de soins. Il faut vraiment que cette formation soit améliorée. Les causes ? Faible perception de la douleur chez le sujet âgé, polypathologie, mauvais choix du traitement, mauvais dosage, non-observance. Ces sujets âgés, vous savez qu'il y a plusieurs composants de la douleur. Il y a l'atteinte des grosses fibres qui est responsable de la douleur localisée, que le tact superficiel modifie. Un médicament à 2 minutes courtes, débuté par des petites doses, augmenté progressivement. Réévaluer la douleur de manière régulière. La douleur chronique doit être traitée de manière correcte. L'administration doit être faite à l'heure régulière avec des interdoses lorsqu'il y a des accès douloureux. Douleurs nociceptiques, douleurs neuropathiques, douleurs psychogènes, il faut savoir les reconnaître, il faut apprendre à les reconnaître et bien les détecter chez ces patients. Le traitement est également étiologique quand cela est possible chez ce sujet. Cette attitude renvoie à une estimation éthique de la stratégie à adopter. Un traitement symptomatique est associé dans tous les cas. Il peut être non médicamenteux, mais je laisse le professeur Ekmeteide vous expliquer tout ça en fonction des étiologies, des possibilités du contexte. Il peut être aussi médicamenteux, antalgique ou antalgique, antidépresseur, antitoxivant ou encore multifactoriel. Sans oublier que quand on prend en charge la douleur, il y a le côté psychologique, et Mme Baraka va nous parler de ça. Il faut savoir prendre en charge ce patient sur le plan psychologique, c'est très important. Les douleurs par excès de nociception, donc nous avons les trois paliers de l'OMS. Le palier 1 avec les antalgiques périphériques, le palier 2 de l'échelle de l'OMS, donc ce sont les opioïdes faibles, le palier 3, ce sont les opioïdes forts. Bien entendu,
chaque palier, le médecin peut également prescrire des adjuvants, des médicaments qui vont aider, et la multimodalité est devenue une science, je dirais, de ces dernières années, qu'il faut apprécier, qu'il faut savoir utiliser. Les douleurs neurogènes, quant à elles, elles sont peu ou pas sensibles aux antalgiques classiques, donc autrefois, on était dans l'erreur. Leur traitement utilise essentiellement des médicaments psychotropes. Les douleurs de fond continuent, sont le plus souvent sensibles aux antidépresseurs. Les douleurs paroxystiques répondent davantage aux anticonvulsivants. Les anti-inflammatoires sont indispensables dans bien des cas, dans tous les cas. Les douleurs psychogènes nécessitent une approche multifactorielle. La gériatrie est une science également très importante et il faut savoir reconnaître les intrications entre dépression, souffrance morale et déficit cognitif qui dérégule les sensations corporelles. Cette nouvelle classification de l'OMS est très intéressante. Elle est très difficile à utiliser, elle demande une formation de manière très pointue, très soutenue pour pouvoir l'appliquer. Donc moi je l'ai mise quand même pour vous, pour votre formation, mais je dirais que les paliers de l'OMS sont quand même à respecter et celle-ci ne fera qu'agrémenter votre formation grâce à sa connaissance. Les co-analgésiques, tels que les corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les autres sédatifs, sont d'un appoint très important dans la prise en charge de la douleur. Quand on a une douleur nociceptive, il faut un EVA, donc il faut arriver à un EVA pour être efficace inférieur à 4, le paracétamol jusqu'à 3 grammes. S'il y a une insuffisance rénale sévère, il faut espacer les prises. Les antalgiques du palier 2, donc avec le paracétamol associé à la codéine ou au tramadol, sont des opioïdes faibles. Quant à l'efferalgan codéiné, vous connaissez l'équivalence morphine efferalgan codéiné. Attention à la somnolence, aux troubles du transit et aux rétentions urinaires. Le tramadol, sachez-le, il est volontiers confusiogène, donc il faut faire attention, et surtout quand il y a aussi une insuffisance rénale. Bien entendu, possibilité d'utiliser le paracétamol ou la codéine en interdose si l'utilisation est entamée de la forme LP. Les antalgiques du palier 3, c'est la morphine, bien sûr le gold standard de toutes les douleurs, je dirais. Bien entendu, peut-être moins, beaucoup moins en post-op, on va dire. Beaucoup moins en post-op, c'est le docteur Gaza qui va nous en parler. En tout cas, entre 3 et plus de 3, cette antalgique pourrait donc nous aider à traiter les douleurs fortes. La durée d'action de la libération immédiate est de 4 heures. La durée d'action de la forme LP est de 12 heures. Donc, les interdoses sont possibles grâce à cette libération immédiate que nous avons actuellement en Algérie. À dose égale, elle est 3 fois plus puissante que chez le sujet jeune, donc il faut réduire les doses, mais cette particularité disparaît en cas de traitement prolongé. L'actisquénan, le squénan, le cébridol, le moscontin, donc il y a beaucoup de traitements disponibles. Sachez que les interdoses sont calculées et elles doivent être données de manière régulière, surtout lorsque nous utilisons la forme LP. Le fentanyl également transdermique dans les douleurs chroniques sont utilisés, ainsi que l'actisquénan. Bien entendu, la durée d'action de ces patchs est de 3 jours. Attention à l'accumulation de métabolites chez les effets d'indésirables de la morphine, comme vous connaissez, somnolence, constipation, hallucination, vomissement, délire. Donc, il faut les prendre en compte. Et des signes de surdosage, bien sûr. Quand on a une dépression respiratoire ou une hypotension, ben, elles sont rares, mais il faut savoir les détecter. Attention au traitement psychotrope associé qui majore les troubles de la vigilance, surtout chez ce type de patient. S'il y a des effets indésirables de la morphine, vous savez qu'il y a d'autres traitements disponibles, bien entendu, en Algérie, c'est limité. Les laxatifs sont systématiques, les anti-émétiques peuvent être utilisés également chez ce type de patient quand ils sont sous morphine. La morphine par voie sous-cutanée est possible, telle que le chlorhydrate. Il faut simplement diviser la dose ou en goutte nasale. Les co-analgésiques, il faut les associer, il faut profiter des antiépileptiques, des antidépresseurs, tels que la roxyle, bien entendu. Il a des effets anticholinergiques. Les anticonvulsivants, tels que l'Lyrica ou les gabapentinoïdes, pour les douleurs neuropathiques diabétiques, attention aux effets confusiogènes. L'intérêt des antidépresseurs est important, il existe souvent une dépression réactionnelle, attention donc à l'utilisation de ces traitements, sans oublier la prise en charge non médicamenteuse, qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Alors, aucun argument ne plaide en faveur d'une plus grande tolérance des personnes âgées à la douleur. Non, les personnes âgées souffrent
autant que nous, autant que le jeune, mais on ne le prend pas en considération. Il faut absolument qu'on traite et qu'on lutte contre la douleur chez le sujet âgé pour aboutir à des résultats qui permettraient une qualité de vie meilleure chez ce type de patient qu'on oublie souvent. Et je vous remercie. La prise en charge de la douleur, c'est une urgence thérapeutique. Il faut à tout prix la traiter tout de suite, même en dehors du sujet âgé. Il faut vite agir sur la douleur, parce qu'au bout de quelques minutes, il y a une traçabilité au niveau du système nerveux central. Et si on ne la prend pas en charge tout de suite, on va garder une marque de cette souffrance à vie. Ceci a été démontré chez les enfants chez qui on fait des circoncisions sans anesthésie générale. On sait que ça a impacté leur vie, notamment lors des premières vaccinations. Les enfants qui ont été circoncis sans anesthésie générale sont ceux qui ont le plus souffert lors de la vaccination ultérieure. Alors, maintenant, pour ce qui est de la douleur en ambulatoire, de toute façon, la prise en charge de la douleur, elle se fait toujours en ambulatoire. Il est exceptionnel d'hospitaliser un malade pour douleur. En général, on les hospitalise, je ne sais pas, que ce soit au CPMC ou à Belbouet, on utilise rarement les lits d'hospitalisation. Ces lits sont utilisés quand on veut instaurer un traitement assez lourd. Si c'est un malade qui est fragile, on ne sait pas comment il va réagir à domicile. Mais sinon, le traitement de la douleur, il se fait en ambulatoire. C'est dommage que le docteur Aiguillédine va présenter, moi j'aurais souhaité qu'elle présente tout de suite après le traitement pharmacologique, parce qu'aujourd'hui il a été démontré que le traitement non pharmacologique a une part importante dans la prise en charge de la douleur globalement et surtout chez le sujet âgé. Ça fait à poser le problème de l'hospitalisation. En tout cas, nous, dans notre expérience au CPMC, nous n'hospitalisons que les malades chez qui nous allons faire un geste invasif. Soit c'est un patient qui nécessite d'avoir un bloc neurolytique et on l'hospitalise le temps qu'on lui fasse son bloc neurolytique, sinon ils sont pris en charge en ambulatoire. Justement, je voulais savoir pourquoi, parce qu'en fait, on se pose des questions. D'ailleurs, la nouvelle formation médicale prévoit l'ouverture du module de gériatrie. Une nouvelle formation. Donc, cette ouverture des services de gériatrie permettrait d'avoir un point de chute qui est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai vu la demande chez sujet âgé, j'ai pas pu faire des traitements lourds chez certains patients qui nécessitaient. Hein, donc, les renvoyer à la maison, je les renvoie avec un traitement trop insuffisant. Donc moi je me suis dit comme ça, tous ces patients-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas un point de chute pour eux, pour qu'on puisse les prendre. Quand je parle à la médecine interne, ils sont en surcharge. Quand on parle à la cardio, voilà, c'est pas. Quand on parle à d'autres services également, et moi j'en ai parlé au docteur Chinna, professeur Chinna, pour peut-être prévenu d'ailleurs. On dit que le diabétique ne ressent pas la douleur. Il y a une insensibilité minime de la douleur. Problème de seuil. Il y a un problème de seuil. L'application, c'est l'évaluation de la douleur. Donc évaluer la douleur, mesurer la douleur, mesurer le degré de la douleur. Est-ce qu'il y a un moyen fiable pour mesurer la douleur? Quels moyens faut-il utiliser? Elle a parlé de l'auto- et l'hétéro-évaluation de la douleur. Il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés. Il faut supposer la douleur chez le sujet âgé, il faut observer bien le comportement, il faut garder en mémoire, il faut évaluer, prescrire un traitement, et il faut une approche un peu particulière pour le sujet âgé, et déjà polyparer, Évaluation de la douleur, patient communicant ou non communicant. Le traitement pharmacologique de la douleur, c'est l'analgésie systémique et l'analgésie loco-régionale. Les modalités de surveillance. Notre objectif final, c'est comprendre, évaluer et gérer la douleur post-opératoire pour améliorer le savoir-faire, le savoir-être des professionnels. Avant la formation, 67% des soignants au niveau du service de chirurgie orthopédique doivent avoir une formation initiale.
après la formation, 86% des soignants ont bénéficié d'une formation au niveau du service de chirurgie orthopédique. Avant la formation, l'évaluation s'occupe par l'interrogatoire 5, dans 73% des cas. Après la formation, il y a une diminution, mais il y a toujours une persistance de l'évaluation à l'interrogatoire 5, 33% des cas. Mais j'attire votre attention qu'il y a une amélioration de l'amélioration de l'évaluation par les échelles d'auto-évaluation chez les patients communicants. L'évaluation avant la formation se fait à la 13% des cas, elle persiste toujours à la plainte des patients, mais dans 51% des cas. Il y a toujours une morphinophobie chez les personnes, chez le personnel du service. Le personnel déclare ne pas connaître les effets secondaires et ne le cherche pas au niveau du service dans 95% des cas. Après la formation, 91% des personnes de personnel savent ou connaissent les effets secondaires des engagés et ne recherchent systématiquement. Avant la formation, 59% des praticiens considèrent que la prise en charge de la douleur post-opératoire est une charge en plus au niveau du service après la formation. 35% des cas trouvent que c'est une charge en moins. Par contre, 37,8% des cas considèrent que la prise en charge de la douleur post-opératoire est une charge en plus. Les résultats de notre étude, dans l'audit initial, on a constaté qu'il y a, le bilan de formation il est pauvre. Sa pauvreté est à l'origine d'une des lacunes des connaissances. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont considéré que ces lacunes de connaissances sont l'origine des conduites inappropriées dans le domaine de la douleur post-opératoire et à l'origine de la sous-évaluation et sous-traitement de la douleur au niveau des services. On a constaté que les infirmiers ont reçu au cours de leur formation initiale, donc la formation sur la douleur post-opératoire et la douleur en général. Cette formation, elle doit être, pour le rendre plus efficace, il faut avoir des protocoles établis au niveau des services. Pour améliorer ces connaissances, c'est l'intérêt des formations. Ces formations ont pour but d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques pour améliorer la prise en charge de la douleur au niveau des services de chirurgie. Donc, non, moins précise, il y a une réduction de la tension de la libération des neuromédiateurs de la douleur. Il y a des systèmes de contrôle qui sont aussi moins efficaces chez les sujets âgés. Et puis, il y a tous les processus d'intégration, savoir la modulation de la douleur, et donc perturbé chez la personne âgée. Un autre facteur aussi, c'est les divers déficits. Le patient âgé a des déficits auditifs, visuels, lésiques, lexiques, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit parfois. Et puis il y a toute cette histoire personnelle, toute cette chronicité du passé douloureux et de l'état psychologique du patient âgé qui pense que la prise en charge de la douleur va être vraiment différente de celle de la personne normale, voilà, plus jeune. Voilà. Tout ça nous amène à dire que ça va entraîner des modifications dans le comportement douloureux des patients âgés, à savoir il y aura de l'anxiété, il y aura de la dépression, de la dépression, de la confusion mentale, mais aussi une majoration des troubles cognitifs chez les personnes âgées. D'où l'intérêt d'une bonne évaluation et d'un bon examen clinique soigneux de la personne âgée. On est passé ce matin sur l'évaluation, sur tous les outils d'évaluation, dont auto-évaluation quand il n'y a pas de cognitif et des hétéro-évaluations lorsqu'il y a des troubles dans le cognitif. Âgé, donc j'ai préféré donc mettre cette planche parce que c'est dans toutes les études on a ce qu'on appelle l'objectif SMART. L'objectif SMART, c'est l'objectif fixé de la thérapeutique qui peut s'appliquer aussi à la thérapeutique non médicamenteuse. C'est l'objectif SMART qui est donc spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, orientable. Et le but de cet objectif, c'est de savoir, c'est-à-dire ajuster le traitement médicamenteux ou non médicamenteux selon la plainte du sujet et puis selon
ses habitudes quotidiennes. C'est-à-dire, si je veux faire, par exemple, un traitement non médicamenteux, je vais voir, ça ne va pas interférer avec donc, ses pratiques quotidiennes, à savoir ses courses, que ce patient puisse faire toutes ses courses. Donc, c'est en parlant de l'infection. Il a présenté des lésions plantaires au niveau du pied gauche avec étonnement purulent. Il a des anomalies osso-articulaires et trophiques. À la radio de la hanche, il y a une osteonécrose de la tête fémorale. Une échographie de la hanche a été faite. Objectivement, une osteoarthrite oxofémorale droite compliquée d'un volumineux axé départemental étendu de deux tiers supérieurs de la cuisse avec des multiples adénopathies aiguës. Sur le plan biologique, c'est les stigmates en faveur d'une infection, hyperleucocytose avec une anémie inflammatoire, hyperplacidose, donc c'est le bilan inflammatoire qui est augmenté. Un prélèvement bactériogénique, donc indiqué, donc il a mis en évidence staphylococcus multirésistant. La radiographie thorax, c'est un aplatissement et une horizontalisation des ventes. Le malade a été pris au bloc opératique et une bonne évolution sur le traitement. C'est quoi l'insensibilité congénitale à la douleur? C'est une neuropathie sensitive héréditaire autosomique. Elle peut se révéler précocement dans l'enfance par des traumatismes multiples, des brûlures, des plaies, des fractures, qui peuvent évoquer donc un syndrome des enfants battus, civils d'enfants. Mais il y a des caractéristiques de l'insensibilité congénitale à la douleur, c'est l'absence de peur et de comportement de protection de la zone lésée. Donc, ce qui va orienter vers l'insensibilité congénitale à la douleur. Il y a des lésions par automutilation, c'est des morsures des doigts, de la langue, des lèvres, et parfois des lésions sévères au niveau du nez, de la cornée, par griffures répétées, peuvent orienter vers un trouble psychiatrique. Mais ces traumatismes sévères et automutilation cessent souvent au bout de quelques années, parce que, une fois l'enfant atteint un certain degré de maturation psychologique, suffisant de. Donc, il va comprendre le caractère nocif des lésions et éviter des situations dangereuses. On peut avoir des anomalies osteo-articulaires et trophiques, fractures spontanées, lésions osseuses des extrémités, des complications infectieuses, des osteochondrites et osteomyélites, des atrophies et des arthropathies. L'osteoarthropathie nerveuse, ainsi appelée le mal-performance, est la complication la plus redoutable. Les différentes modalités de somesthésie, on a dit qu'il y a la tête de la sensibilité, mais on peut avoir le tact, la proprioception, la sensibilité, vibration et la sensibilité thermique, et les réflexes osteotendineux peuvent être conservés ou non. De même que le fonctionnement du système nerveux autonome, on peut avoir une dysautonomie si les malades présentent une sensibilité congénitale à la douleur. Dans certains cas de déficit sensoriel, on peut avoir surdité, l'anosmie associée. Chez ces enfants, on peut constater dans certains types un retard mental. La présence de lésions externes multiples et répétées d'origine non initiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maltraitance des enfants, oriente vers le diagnostic d'insensibilité congénitale à la douleur. Il faut éliminer dans ce cadre les blessures chez les enfants ayant d'autres handicaps, chez les autistes et les malvoyants, dont la sensibilité elle est conservée. Autre syndrome, où il y a une diminution ou abolition de la sensibilité, on peut avoir des syndromes métaboliques ou une désorientation après un traumatisme. Mon objectif, ça sera d'avoir une culture, d'avoir l'utilisation des différents produits. Donc on a utilisé le tramadol, l'acupan. Donc dans l'analgésie non morphinique, c'est l'association acupan, ANS et paracétamol, c'est la stratégie du pan morphinique. Notre protocole, c'est d'avoir, il faut utiliser ces produits. Mon objectif, il faut savoir utiliser ces produits dans nos services. Vu parfois, parce que les gens, ils ont eu cette morphinophobie. Lorsqu'on donne la morphine, il y a des gens qui ne donnent pas cette morphine au malade parce qu'il a une phobie au cours d'une garde que le malade fait une dépression respiratoire. Même si ces doses sont des doses minimes. Pour minimiser cette phobie, on a dit qu'il n'y a pas une dépression respiratoire en dose thérapeutique pour le tramadol. Donc c'est une sécurité d'utilisation. Ah. On peut l'utiliser sur une heure de temps, c'est une modalité d'administration. Notre objectif, le terrain, il est vide, il n'y a pas d'administration dentalgique, il faut créer une culture douleur dans nos services, il faut utiliser les différents produits et avoir une marge de sécurité dans l'utilisation. Est-ce que de temps en temps, on n'arrive pas à faire le dosage plasmatique parce que
Vous avez dit, on minimise, on optimise la douleur, on optimise le traitement. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas parfois des recours au dosage cosmétique? Mais écoute, je te dis, il y a eu un travail qui avait été fait sur le diagramme de verre, sur la morphine. Voilà, pourquoi les gens ont fait ce travail? Ils ont fait ce travail pour voir un petit peu à quel moment le patient a le pic. Voilà, à quel moment on est au-dessus de, qu'on dépasse les doses, pour voir un petit peu la dose minimale efficace. Ça s'appelle le diagramme de Verre. Ça c'est avec la morphine. La morphine, nous on ne le fait pas. Il y a des gens qui ont essayé de le faire également avec le tramadol. Donc qu'est-ce qu'ils font? Une dose de tramadol, on voit un petit peu. Et là, ce serait intéressant de faire un labo toxico. Peut-être qu'il faut voir un petit peu si voir un petit peu quelle est la dose où on a le pic plasmatique. Le premier. Est-ce que c'est le d'intérêt? Excuse-moi. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Parce que chaque malade est dans un âge. Oui. Même si tu as des informations, pour toi, ils font voir, c'est pas pareil. Donc, là, on a assisté à la communication. Et tu as vu qu'il y a un polymorphisme. Oui. Hein? La génétique est différente d'un individu à un autre. C'est pas... Donc, ça ne sert à rien, ce dosage plasmatique. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. D'autant plus que, exactement, ça ne va pas changer la conduite thérapeutique. Moi, j'ai un malade, je dois gérer la douleur de mon patient. Je n'ai pas le droit de le laisser souffrir. Simplement. Donc, ce qui concerne, moi je voulais dire ça, ça je crois en fait, pourquoi je voulais parler de ça, parce que justement ça a été fait par des spécialistes dans l'utilisation de la morphine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de la recherche. Oui. Hein? C'est pas dans un objectif de prise en charge thérapeutique. C'est pour la recherche. C'est pour la recherche. Pour voir un petit peu à quel moment on sera efficace. Pendant combien de temps? Ce qui concerne le dosage plasmatique, je pense que c'est parce qu'il y a une marge thérapeutique étroite. On risque d'avoir un passage rapidement vers la toxicité. Les engagés, je pense, ils ont une marge thérapeutique large. Donc on n'a pas intérêt d'avoir un dosage systématique chez les patients. Le plus inquiétant, beaucoup plus, c'est les inducteurs enzymatiques. C'est un produit qui vont accélérer le métabolisme et le séjour de médicaments dans les courses circulées avec un moins d'efficacité et une efficacité d'analgésie. C'est notre problème. L'association de plusieurs médicaments, les inducteurs enzymatiques, c'est des concrets d'échec de notre stratégie thérapeutique. Et d'ailleurs, on en avait parlé. Celui qui essaie la pénitence dans une salle comme celle-là ne peut pas la quitter facilement. Donc je continue à présider. Et avec la même rigueur, il y a des problèmes à lieu. Et on va parler toujours de la douleur cette fois-ci. On va voir avec nos amis les chirurgiens. Et on va voir l'expérience de la douleur post-opératoire, l'expérience de la douleur des malades, pas des médecins. C'est monsieur le professeur Sahi qui va nous parler de la douleur post-opératoire en chirurgie ambulatoire, l'expérience personnelle du service de chirurgie viscérale CHU de Berlin. Enfin. Merci Monsieur le Président, honorable assistance, honoré d'être parmi vous pour vous présenter notre expérience concernant la prise en charge de la douleur post-opératoire en chirurgie ambulatoire. Historiquement, la chirurgie est longtemps restée fondée sur des méthodes invasives particulièrement éprouvantes pour le patient, d'où des délais de récupération qui étaient lents, avec des risques de complications élevés. La chirurgie était toujours synonyme d'une durée longue de prise en charge. Si tu es à l'hospitalisation complète, une hospitalisation de très courte durée est relativement ancienne, déjà en 1909, l'Écossais Nicol a réalisé plus de 7000 interventions ambulatoires en chirurgie pédiatrique. Le problème dans l'ambulatoire, c'est l'ambiguïté de ce terme. Et dans toutes les langues, ambulant en latin, c'est qui marche. Cette ambiguïté se retrouve entre médecine ambulatoire qui est pratiquée en ville et chirurgie ambulatoire qui est pratiquée en établissement de santé.
L'IAS, en réponse à cette ambiguïté, a retenu plusieurs terminologies, à savoir day surgery, ambulatory surgery, same day surgery et day only, correspondant à une journée de travail sans nuit d'hébergement. La chirurgie ambulatoire est ainsi différente des autres chirurgies, l'extended recovery, single night ou short hospitalisation. Elle est fondée sur un concept qui est centré sur le patient. La chirurgie ambulatoire, c'est des patients qui ne résident pas dans l'établissement, ne concerne pas les consultations externes, les actes de radiologie interventionnelle, ni la radiothérapie ou chimiothérapie et les soins à domicile. Ainsi, la chirurgie ambulatoire impose une hospitalisation car le patient est admis, séjourne dans l'établissement hospitalier et passe par le bloc, à la différence des soins externes effectués en consultation. Cependant, l'acte est le même, que ce soit en hospitalisation classique ou en chirurgie ambulatoire. L'ambulatoire n'est pas une invention, c'est une innovation. La contrainte réside où ? Dans l'unité de temps, où l'entrée, l'acte et la sortie, la gestion de tout ce process doit avoir lieu le même jour. La clé de réussite de cette organisation est basée sur une bonne sélection des patients. La sélection de patients répond à plusieurs critères médicaux, surtout la sélection sur le plan anesthésique hasard, donc il faut des comorbidités stables. Sur le plan chirurgical, il faut des interventions qui ne durent pas, avec des suites post-opératoires plus ou moins simples, donc sans liste spécifique des gestes. Et ça va de soi, il faut un patient qui comprend les modalités de la prise en charge, qui doit être accompagné la nuit de son intervention, qui est près du lieu, qui réside près de l'établissement d'intervention et qui doit avoir un accès à un moyen de communication. Sur le plan anesthésique, on doit répondre à certains critères, notamment des drogues à durée de vie courte avec des molécules moins pourvoyeuses de nausées et vomissements post-opératoires. Comme vous l'avez sûrement présenté ce matin, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle. Elle est désagréable en rapport avec une lésion. Son évaluation, elle est indispensable, permettant ainsi d'identifier un patient qui souffre, permettant également d'élaborer une stratégie thérapeutique antalgique et de détecter les douleurs témoignant d'une éventuelle complication. Cette évaluation peut être quantitative ou qualitative. L'évaluation de la douleur post-opératoire, comme vous le savez, repose sur l'utilisation de différentes échelles. En chirurgie ambulatoire, l'incidence de la douleur modérée à sévère est représentée par un taux de 25 à 40%. La douleur sévère est représentée chez à peu près un cinquième des patients. La prise en charge de la douleur comme post-opératoire, elle est multimodale, associant plusieurs antalgiques médicamenteux. Il est recommandé d'utiliser les antalgiques de palier 1 et 2 pour une chirurgie faible ou modérée. L'utilisation d'infiltration ou de blocs antalgiques avec l'infiltration des cicatrices et l'instillation intra-péritoniale sont des méthodes permettant une diminution de l'intensité de la douleur et de la consommation de morphine. Également, la réalisation de blocs, soit inguinaux, de blocs pudendales, bénéficie également est un bénéfice pour l'utilisation de cette prise en charge.
Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive prospective non randomisée à visée analytique de janvier 2014 à mars 2016, colligeant 315 malades opérés par le mode ambulatoire et appareillés à 315 autres malades opérés en hospitalisation classique. Les critères d'inclusion sont déjà présentés dans la et Pemoussa et professeur Brunet. Donc, durant cette année, à partir de ces fiches et dossiers de malades consultés durant la même période. Notre enquête a concerné à peu près 147 patients diabétiques recrutés à partir de la consultation de l'unité douleur. Ont été inclus tous les patients qui consultent pour une douleur et présentant un diabète type 2 avec ou sans complications dégénératives, quelle que soit la durée du diabète. Nous avons exclu bien sûr les patients diabétiques type 1, les femmes et le diabète gestationnel. L'outil diagnostic a été utilisé, le score BNK, que vous connaissez bien sûr, qui est un questionnaire de 0 à 24, question de 0 à 10 pour l'essentiel, et sur l'analyse immunologique qualitative employée par les patients pour décrire les douleurs avec, on va lancer un chiffre de 4 sur 10. L'âge moyen de nos patients était de 55 à 46 ans, avec des extrêmes allant de 46 à 82, la population amputée composée de 62% de femmes et 37% d'hommes. L'ancienneté du diabète était de 12,5 avec un minimum d'un an et un maximum de 40. 70% des diabètes ont un score inférieur à 4, 29% ont un score supérieur à 89, considéré qu'on va dire ce score bien 4 est plus élevé chez les femmes que les hommes. Là, on ne sait pas pourquoi, mais le score bien 4 paraît plus élevé chez les femmes. 37% étaient sous antidiabétiques oraux, 1,5, 22% étaient sous insuline et 37% étaient sous association antidiabétiques oraux et insuline, en l'occurrence le peptide. Le peptide, et seulement 2% étaient sous mesure géométrique. La plupart de nos patients avaient des complications dégénératives liées au diabète, 71%, et seuls 29% n'avaient pas de complications dégénératives. 45% quand même ont une complication microvasculaire, à savoir et rétino-néphro, et 50% ont une complication microvasculaire, qui soit une HTA, SCS, donc on a eu bien ce qu'il y a. Définition maintenant des douleurs neuropathiques périphériques, sont douleurs, donc ça a été dit ce matin, donc à la fin du matin. La lésion générale nerveuse est généralement au moment de la localisation. Si on qualifie la douleur neuropathique par rapport aux autres douleurs, je pense que si on qualifie par exemple la douleur aiguë d'une alarme d'une maison, pour simplifier un petit peu les choses, la douleur aiguë qui est très quand même bénéfique et qui est une alarme pour le corps, pour notre organisme quand même, mais la douleur neuropathique, si on la qualifie, on peut la qualifier de vision un petit peu de fil qui est allant vers l'âme, ce qui fait que cette alarme devient un petit peu, elle se déclenche à n'importe quel moment et pour n'importe quel. C'est le même cas de ces lésions nerveuses par rapport à la douleur. Donc c'est une localisation avec au pied, au mollet, doigt et main, sensation de brûler, comme ça a été dit tout à l'heure, coup de poignard, non sinon allodynie, parfois avec hyperesthésie au vêtement. Ne diminue généralement pas avec le temps, avec un impact sur l'état du malade avec syndrome dépressif, trouble du sommeil, anxiété et l'énergie. Le diagnostic repose en fait sur une bonne analyse des caractéristiques de la douleur neuropathique qui survient le plus souvent en repos la nuit sous la forme d'une brûlure surtout glandaire, décharge électrique paroxystique ou bien sensation de froid du bras au niveau du pied, des jambes allodynies très caractéristiques de la douleur neuropathique. On estime à 5 à 7% de la douleur neuropathique dans la population générale, estimée à 5 à 7%. Il est très difficile d'avoir une idée précise de la prévalence de la douleur neuropathique diabétique, mais on estime qu'environ 50% des diabétiques atteints de neuropathie, je dis bien de neuropathie, parce qu'il y a une nuance entre neuropathie diabétique et douleur neuropathique, donc 50% des diabétiques atteints de neuropathie se plaignent de symptômes douloureux. La physiopathologie, ça a été dit par le professeur Hélène ce matin, donc le facteur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la douleur neuropathique, le facteur pourvoyeur, c'est essentiellement l'hyperglycémie chronique qui est pourvoyeuse de cette douleur neuropathique avec un retentissement sur l'état général. On distingue généralement, ça a été dit, les fibres myéline A, delta et C, et les grosses fibres. Les fibres, les petites fibres sont atteintes en premier, puis ensuite vient le tour des grosses fibres pour ça, c'est la physiopathologie dont je passe. L'examen, j'ai un petit mot sur l'évaluation de la douleur, l'examen au monofilament. Cet outil de coupé est plus facile à utiliser. La technique est reproductible, rapide, donc
ça permet de prédire les ulcérations du pied, puisque le risque relatif de présenter dans les 3 ans une ulcération du pied est multiplié par 15 en cas d'anomalie hormonophilante. Ça, c'est les points où on peut évaluer, tester avec les hormonophilants. L'intensité de la douleur peut être évaluée grâce à des échelles plus anciennes comme l'échelle numérique ou l'échelle visuelle analogique, donc ce sont des échelles descriptives verbales. Donc on connaît que ça a été dit ce matin. De questionnaire, le score BNK, le questionnaire de Pratt, ce questionnaire se répartit en 4 questions, représentant 10 items approchés. Donc c'est le patient praticien qui interroge lui-même le patient et qui remplit le questionnaire. À chaque item, une réponse 8, 1 est positive et une réponse non 0, donc le score. À 4, supérieur à 4 sur 10, donc est positif. Ce test il est sensible à 82,9 et spécificité à 89,9. Donc ça c'est le score BNK, c'est un test total de 3 essais. L'électrophysiologie, donc, je passe rapidement, c'est l'EMG généralement. Lorsque le diagnostic de neuropathie périphérique est litigieux, cet examen donc, il ressort du spécialiste et permet de préciser la topographie des atteintes. Cependant, la principale limite de cet examen est qu'il n'explore pas les grosses fibres alors que ce sont les petites fibres qui sont atteintes le plus tôt dans la douleur neuropathique. La prise en charge thérapeutique, plusieurs médicaments sont utilisés pour le traitement de la douleur. Les antalgiques classiques, ce qu'il faut savoir, c'est que les antalgiques classiques de palier 1 sont pas ou peu efficaces dans la douleur neuropathique. Type par exemple paracétamol, AINS, donc ne sont pas efficaces dans la douleur neuropathique. Ainsi, pour la première ordonnance, par exemple, des douleurs neuropathiques confirmées, le médecin choisira soit un médicament antipyrétique, pregabaline ou gabapentine, soit un antidépresseur tricyclique, la roxycline, bon ou non, la diroxycline ou sympathie. Donc ça, c'est en Europe, l'autorisation de mise en marché sur la diroxycline concerne les seules douleurs neuropathiques du diabète, mais cette molécule est efficace dans d'autres indications. On a géré l'autorisation de la prescription. Le problème se pose avec cette nouvelle convention CNAS. On aimerait bien débattre s'il y avait des médecins CNAS ici. Cette prescription de la pregabaline qui est limitée à certaines spécialités, alors qu'elle est exclue d'autres spécialités qui prennent en charge la douleur, ce qui pose un vrai problème de la prise en charge de ce type de douleur. Les tramadol d'anthropase sont des médicaments très efficaces, également dans la douleur neuropathique. Ces douleurs restent difficiles à traiter parce que les mécanismes sont très complexes et différents de ceux des douleurs inflammatoires. C'est des travaux récents suggèrent qu'il faudrait tenir compte des caractéristiques de la douleur. Par exemple, la douleur du type de brûlure associée aux décharges électriques semble mieux répondre à certaines antipyrétiques, mais on manque encore de données. De plus, certains médicaments recommandés en pratique n'ont pas d'anneau pour l'indication des douleurs neuropathiques. Or, prescrire pour un même est très difficile. Les conditions, les connaissances évoluent à l'état. Par exemple, si on prend le cas de la diroxétine en Europe, elle a uniquement la même dans la douleur neuropathique diabétique. Mais l'extension vers d'autres neuropathies, douleur neuropathique, a été, ça suffit, mais c'est une prescription orale. Les autres thérapies, les topiques locaux, patch, alidocaïne et capsaïcine, donc ça on connaît. Capsaïcine, t'as les patchs, t'as fait dans ce vente pharmacie, donc. Le soulagement également de stress et des thérapies relaxantes, ça a été dit. Donc, la neurostimulation transcutanée, ça a été dit ce matin. La prévention, la meilleure façon de prévenir et traiter la douleur neuropathique, de contrôler strictement la glycémie du diabétique. Donc, pourquoi? Parce que la douleur neuropathique du diabétique, tout se joue autour de cette hyperglycémie chronique et la toxicité. Donc, contrôler la glycémie revient à prévenir mieux ces douleurs neuropathiques. Il s'agira le plus souvent d'une intensification, soit on contrôle par la glycémie, soit par des mesures, soit par une intensification du traitement, ou par antidiabétique, avec association aux insulines, ou bien changer carrément de traitement. Le dépistage de la douleur neuropathique, tous les patients doivent être dépistés au moment où le diagnostic diabétique 2 et 5 ans après le diagnostic du diabète 1, avec des dépistages annuels pour la suite, par la suite. Dans le cas d'un diagnostic de pré-diabète avec des symptômes de neuropathie périphérique, le dépistage doit aussi être envisagé. Conclusion, la neuropathie diabétique est la complication la plus fréquente du diabète. Elle peut être douloureuse ou non, donc elle peut être douloureuse. Le diagnostic de neuropathie douloureuse repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique à la recherche de signes innovants, avant tout, et l'appel des petites filles. Un appel diagnostique simple est apporté
une aide de diagnostic simple est apportée par le questionnaire BNH. Ce questionnaire a été développé et validé par un groupe d'experts. Contrairement aux autres complications dont le dépistage est onéreux, le diagnostic de neuropathie diabétique douloureuse ne coûte rien et peut se faire en quelques minutes au terme d'une anamnèse orientée et d'un examen clinique rapide. Les explorations paracliniques telles que l'EMG ne doivent pas être demandées systématiquement pour confirmer le diagnostic, mais strictement réservées aux formes atypiques. Et je vous remercie. Malgré la fréquence des céphalées de tension, mais il s'agit d'une entité hétérogène peu étudiée. Les céphalées de tension ont longtemps été considérées comme une affection psychogène, comme en témoignent les appellations successives à l'origine de céphalées de tension. Les travaux initiaux ont privilégié l'étude de la participation des facteurs périphériques. Mais durant la dernière décennie, la plupart des études ont tenté de préciser les bases neurobiologiques de ces céphalées, expliquant les phénomènes à la fois les phénomènes de sensibilisation périphérique et aussi centrale. Ceux-ci ont été particulièrement étudiés, identifiés dans la forme la plus sévère de céphalées de tension, qui sont les céphalées de tension chroniques. L'objectif de ce travail est de mettre l'accent sur les céphalées de tension et souligner les facteurs déclenchants et qui restent souvent méconnus. La céphalée de tension se manifeste par une douleur d'intensité faible à modérée, décrite comme une pression ou un étau sans latéralisation et ne s'aggrave pas par l'activité physique de routine. On distingue les céphalées accompagnées d'une sensibilité péricrânienne ou non. Cette sensibilité des muscles péricraniens qui est facilement détectée à la palpation manuelle des muscles. Elle explique l'origine du nom céphalée de tension, qui en français porte à la confusion, le patient pensant à un problème de tension artérielle. Il faut donc rechercher les points de pression douloureux lors de l'examen au niveau du scalp, de la face, de la nuque et des épaules. The International Classification of Headache Disorders en 2004 distingue les céphalées de tension épisodiques peu fréquentes ou fréquentes et les céphalées de tension chroniques en fonction du nombre de jours de céphalées. Les céphalées de tension peu fréquentes surviennent moins de 12 jours par an, tandis que parfois regroupé sur une période allant jusqu'à 7 jours, tandis que la céphalée de tension fréquente survient entre 1 à 14 jours par mois pendant au moins 3 mois par an. Enfin, la céphalée de tension chronique survient plus de 15 jours par mois. On trouve ici les critères qui ont été faits par la classification, par International Classification Headache Disorders, LICHT. Pour mieux identifier les céphalées de tension épisodiques. Les critères de A jusqu'à E, c'est des céphalées de 1 à 14 épisodes par mois, céphalées durant 30 minutes à 7 jours, c'est des céphalées qui doivent être bilatérales, sous forme de pression ou de serrement, d'intensité légère ou modérée, ne s'aggrave pas par l'activité physique de routine. Pas de nausée, pas de vomissement, peuvent s'accompagner d'une photophobie ou d'une phonophobie, pas de pathologie lésionnaire sous-jacente. Les céphalées de tension chronique, c'est des céphalées qui présentent plus de 15 épisodes par mois, céphalées de plusieurs heures qui peuvent être aussi continues. C'est des céphalées sous forme de pression, de serrement et qui ne sont pas pulsatiles comme le cas de la migraine. D'intensité légère à modérée, de topographie bilatérale, ne s'aggrave pas par l'activité physique de routine comme celle de l'épisodique aussi. On peut avoir des nausées légères mais ne sont pas sévères ni modérées. Pas de vomissement, on peut avoir une photophobie ou une photophonie, pas de pathologie lésionnelle.
n'est-ce pas, céphalie de tension est la plus fréquente chez les femmes et survient à tout âge. On considère habituellement que la prévalence diminue après 50 ans. Une étude qui a été faite dans un centre tertiaire espagnol entre janvier 2008 jusqu'à mai 2012 par M. Luis et ses collaborateurs sur les céphalies de sujets âgés a estimé la prévalence de céphalies de tension à 28% chez ces patients, sur une population de 262 patients. En population générale, la prévalence de céphalies de tension varie de 30%. Cette insuffisance chronique terminale, c'est 27 000 hémodialysés en Algérie jusqu'à maintenant, 209 hémodialysés à Batna Wilaya, à peu près 650 dans la ville de Batna, 4 centres privés et un centre au niveau du CHU de Batna. Nous avons un registre de l'université Batna. Nous avons en 2021 146 patients par million d'habitants par année, de patients qui attirent en dialyse. L'hémodialyse s'adresse aux malades ayant une défaillance rénale chronique terminale. Donc il faut une substitution. Nous travaillons grâce à ce calcul de DFG, le débit de filtration glomérulaire, donc la clause de la créatinine. À partir de 15, on propose nos patients pour les personnes extra-rénales, dialyse péritonale ou bien transplantation rénale. L'hémodialyse, c'est une suppléance thérapeutique qui a comme objectif de équilibrer, restituer l'équilibre chez un patient hémodynamique, métabolique, et même psychologique, et le bien-être du patient. Ma douleur, c'est quoi? Pour nous, on laisse la parole pour le patient, celui qui va décliner la douleur. Madame Guénette et l'équipe ont donné la définition, mais pour nous, on laisse peut-être c'est le malade qui va nous donner la meilleure définition de la douleur, parce que c'est lui qui va la vivre. La douleur chronique est une maladie, c'est déjà dit. L'ensemble de répercussions de cette douleur sur le mode de vie d'un patient, y compris les hémodialysés. Les patients dialysés souffrent aussi, ils ont perdu l'équilibre de leur vie, ils n'ont pas ce confort de vie sur tous les plans, ils sont condamnés à une machine, vous le savez bien, à des séances régulièrement participées. Parmi les objectifs de l'hémodialyse, c'est de trouver un mode de vie de qualité. Un mode de vie de qualité, la qualité de vie des patients chroniques, c'est des études actuellement qui cherchent toujours quelle est la meilleure qualité de vie, quels sont les indices d'une bonne qualité de vie. Une phase transitoire d'hémodialyse en principe. C'est une phase transitoire, mais chez nous, ça dure. Nous avons un hémodialysé à Batna qui a fait 38 ans d'hémodialyse. En principe, c'est une phase transitoire pour faire autre chose. Et l'impact ou l'importance des morbidités chez nous, il y a beaucoup de morbidités sur tous les plans. Un malade en hémodialyse est un malade de médecine interne par excellence. Place du mal. Le mal, la douleur dans la prise en charge de l'hémodialysé et la douleur est l'un des indices de mesure de la qualité de vie de l'hémodialysé. La douleur chez l'hémodialysé ou sous-hémodialyse, elle se caractérise par beaucoup de douleurs, les crampes musculaires, les céphalées, toute la tension au niveau qui a été décrite, la douleur thoracique, etc. Nous avons donc beaucoup d'anomalies, de douleurs, de céphalées, douleurs thoraciques articulaires. Nous avons le problème de l'anémie qui est source de beaucoup de mal chez le patient hémodialysé. Nous avons un problème majeur. Vous savez que physiopathologiquement, un ISCT, il a dans son plasma quelque chose comme 300 ou plus de molécules, ce qu'on appelle les molécules toxiques. C'est des protéines oxydées. Et parmi ces protéines qui sont toxiques, c'est la bêta de microglobuline qui va nous donner un problème d'amylose. Cette amylose qui va atterrir chez l'orthopédiste qui doit traiter, il va libérer ce qu'on appelle le syndrome du cataracte. Nous avons sans oublier l'accès à la voie vasculaire, qui est la fissure artéro-veineuse ponctionnée chaque fois, en 3 heures, 4 heures de temps. Nous avons le problème du cathétérisme veineux, en fémoral ou jugulaire, qui pose un problème de douleur aiguë, mais parfois ça se transforme en douleur chronique. Donc ça c'est l'ambiance dans laquelle vit notre hémodialysé et les sources de mal chez notre patient. Nous avons essayé de rapprocher nos patients, nous avons fait, c'est la troisième étude, en 2001, 2010, et voici la dernière, 2018, où nous avons approché nos malades
85 patients hémodialysés au centre de maintenance au CHU, juste à côté, avec un questionnaire guidé par des internes de pharmacie. Et on a établi toute une liste. Donc on a essayé d'approcher ces patients concernant la douleur chronique en hémodialyse. C'est évaluer la prévalence de la douleur, donc les caractéristiques et l'impact de la douleur, le type de douleur, ses caractéristiques et sa prise en charge thérapeutique. Le pourquoi la prise en charge de ces patients nous pose beaucoup de problèmes, la fragilité de ces patients sur tous les plans, et les spécificités de ces douleurs, les douleurs dans le contexte chronique semblent être mal connues parfois, mal évaluées, leur thérapeutique tout aussi complexe que l'étiopathogénie et les étiologies de ces douleurs. Donc on a mal pour prendre en charge ces patients parce qu'il faut faire collaborer beaucoup de spécialistes, non seulement le centre antidouleur, mais pratiquement tous les spécialistes sont interpellés. Donc c'est au niveau du CHU de Vatican qu'on a fait ça, des fiches individuelles, on a fait l'analyse, nous avons entamé l'amplitude classique, comme vous le savez, IMAD, etc. Bien. Cette échelle qui a été évaluée par nos internes de pharmacie, messieurs. Ça ne marche pas. Actuellement est un dosage, donc on le fait en fonction des données du patient, de l'équilibre qui est paraté. La douleur chronique 70%, du quotidien intermittente 48%, l'intensité majoritairement est modérée, modérée jusqu'à sévère. Les douleurs plus fréquentes sont des douleurs chroniques, donc 58%, aiguë 13%, et des patients qui ont une douleur neuropathique 29%. Nous avons essayé d'illustrer selon les images la localisation des douleurs que nous avons constatées chez nos patients, osteoarticulaires, digestifs, vasculaires, neurologiques, céphalées, crampes, etc. L'impact de la douleur, donc limitation de l'activité quotidienne 65%, le traumatisme psychologique 71%, valeur de travail, longue durée, intermittente et l'invalidité motrice 10%. La douleur a été prise en charge par des antalgiques prescrits par nos médecins hémodialyseurs. On a recours plusieurs fois au centre antidouleur pour prendre en charge ces malades. Nous avons suivi le même protocole, palier 1, palier 2, palier 3. Donc voici donc les localisations des douleurs chez nos patients. Les antifaciales, nous avons donc le frontal, nous avons l'hémifacial, nous avons brachiocéphalique, etc. Attention, dans des tableaux comme ça, nous avons des syndromes frontal. Dans ce cas, nous avons trouvé des maladies de Horton, parfois c'est bitemporal, nous avons même parfois des paralysies faciales qui sont assez inaperçues. Nous avons ce problème de sarcopénie, vous connaissez peut-être. C'est une cause à connaître parce qu'elle existe entre autres chez les hémodialysés, chez les sujets âgés. C'est un problème de déficit partout. L'activité physique diminue, la porphotidique, les hormones, les flux nerveux qui diminuent, l'extraction spontanée. Donc nous avons cette sarcopénie, bien ce qu'on appelle, on peut dire, insuffisance musculaire. Comme l'ostéopathie, insuffisance osseuse, on peut dire insuffisance musculaire. Le muscle devient atrophique, insuffisant, et en inertie, donc il ne bouge pas bien. Voilà, donc c'est ça cette pathologie qui pose problème de douleur actuellement chez les modélisés. Faisons attention à la neuropathie sous-jacente, à la vasculopathie artérielle ou veineuse, à l'arthropathie, à l'ostéopathie, parce qu'on doit bien faire notre examen du patient. Voici pour la sarcopénie, ce qu'on appelle l'insuffisance musculaire, le muscle devient flasque, il n'y a pas de fistule ici, mais c'est le devenir d'un muscle d'un patient en hémodialyse chronique qui prend du douleur. Les crampes musculaires sont aiguës par électrolytique ou bien l'acidose métabolique ou bien qui sont dues au problème de l'os amylé, l'anémie. Voilà. Dans ce dysphénol, vous la connaissez, l'hyperparathyroïdie, elle est secondaire, elle devient tertiaire, elle devient autonome, donc nous avons ce problème de déformation articulaire et le patient devient vraiment un véritable invalide, grabataire, qui ne peut pas bouger. Nous avons 10% de patients qui sont à ce stade-là.
Nous avons les pièges de douleurs thoraciques qu'on immobilise, l'immobilisation chronique. Nous avons toutes les douleurs atypiques et les pièges qui attirent l'attention vers une coronaropathie. Et nos patients sont tous insuffisants coronariens. L'immobilisé égale insuffisance coronarienne, minimum pas à cause de l'anémie. Et puis l'athérosclérose qui va s'installer. Donc nous avons ce piège de douleur thoracique. C'est pour ça qu'on collabore beaucoup avec les cardiologues. Et le néphrologue est un cardiologue averti. Nous avons ce problème qu'on partage avec les orthopédistes et les chirurgiens parfois. C'est le syndrome du canal carpien, voilà, qui est dû au dépôt de la bêta-de microglobules au niveau du canal carpien. Ça comprime le nerf, ça donne une douleur parfois invalidante parce qu'elle est bilatérale, notamment chez les femmes. Et on partage donc la prise en charge avec les chirurgiens. Et ce syndrome du canal carpien, vous devez faire attention, parfois c'est le signe d'une hypothyroïdie méconnue jusque-là. Voilà comment il se présente, voilà, c'est la douleur en menottes, c'est des menottes, c'est comme ça, à droite et à gauche. Suggestion. Qu'est-ce qu'on va suggérer? Plus d'approche de l'hémodialyser, et nous montre l'accent, nous et le centre antidouleur, un hémodialyser est un véritable patient de médecine interne parce que ça sent de partout, donc pour une morbidité, SOS aux algologues pour contribuer à leur prise en charge en collaboration avec nous. L'hémodialyser, donc la douleur d'hémodialyse chronique, elle existe, elle est un peu méconnue, elle est là, mais on n'a pas fait encore une étude bien étalée parce qu'on a fait une tentative 2010 et 2018. Probablement, dorénavant, on va faire tous les centres et on va voir peut-être les 900 patients hémodialysés de l'arrière de battement pour essayer d'établir un profil de ces patients et codifier peut-être la prise en charge et faire de la prévention de la douleur chez un hémodialysé chronique. Voilà. Je termine pour vous dire, si vous ressentez la douleur, vous êtes vivant. Si vous ressentez la douleur des autres, vous êtes un être humain. Merci. Publication dans un journal écossais. Oui. Donc, Nicole a opéré plus de 7000 en Algérie. Donc, elle a connu un grand essor à partir des années 60 aux États-Unis. Et en Grande-Bretagne, puis arrivé aux pays scandinaves, et la France a commencé, cette activité s'est développée en France à partir des années 80. En Algérie, on n'a pas une étude, on n'a pas un cadre réglementaire. C'est malheureux, il y a une instruction ministérielle en 93 destinée pour les ORL et les ophtalmologues. Donc, on compte sur les insuffisances des tests, ce qui n'est pas haram, c'est halal, et on essaye de pratiquer ce mode de soins parce qu'on pose la question sur l'utilité de l'hospitalisation.